Ce projet pilote sur la migration et les droits des enfants a été présenté et expliqué par plusieurs ateliers à l'attention des responsables communautaires, clubs des droits de l'homme des lycées et professionnels des médias exerçant dans le Haut-Sassandra. L'ONG Réalik leur a recommandé de s'impliquer davantage dans la lutte contre le trafic, le travail et l'exploitation sexuelle des enfants en situation de migration. Nous avons retenu un certain nombre de cibles, notamment les responsables communautaires, les journalistes et les élèves, pour pouvoir expliquer la teneur du fléau et éventuellement échanger avec ces personnes-là afin qu'elles nous fassent des propositions, des actions qu'on pourrait mener sur le terrain, parce qu'on se dit que ces personnes-là sont des relais auprès des autres populations. C'est un phénomène qui, n'est-ce pas, est en train d'ébouiller le monde entier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à partir de cette information, à partir de cette connaissance, nous avons donc l'obligation, le devoir en tant qu'homme de médias de ventiler cette information pour dire aux hommes ce qu'il faut prendre comme disposition afin que ce fléau-là maintenant ne puisse pas faire périr les enfants des hommes. Une plateforme de veille a été installée pour servir de relais entre les entités et autorités préfectorales, donner des messages de sensibilisation de masse et dénoncer les violations des droits des enfants. Après la mise en place d'une cour d'éveil, ils sont venus parler à leurs parents pour dire qu'effectivement que ces enfants ont des droits. Et leur place se trouve à l'école et non au marché. Leur place se trouve à l'école et non à la gare. Et donc ce que nous demandons aux journalistes, c'est de s'intéresser de plus en plus à ces questions-là qui touchent à l'enfant, notamment au travail de l'enfant et à l'exploitation. Parce que, comme on l'a dit lors de nos ateliers, nous constatons de plus en plus un trafic d'enfants. Daloa aujourd'hui devient un grand carrefour où on retrouve de plus en plus d'enfants dans le travail. Plusieurs séances de sensibilisation par des scènes de théâtre avec les populations, élèves des lycées et CBCG de Daloa ont meublé cette série d'activités qui devrait durer 3 mois à bénéficier d'un appui financier de l'ambassade fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire.